Je m'appelle Barbara Chalgaff et je suis la manager de projet de la rencontre de Ral Mela. La rencontre Ral Mela est le premier photo festival qui sera lieu à. Bon, c'est déjà le 9e édition. C'est un photo festival qui va passer le village de Ral Mela. Et pendant cette semaine, le village de Ral Mela transforme une rencontre pour tous les gens qui s'intéressent à la photographie en Tunisie, mais aussi le monde entier. Il y a quelques différences par rapport au programme des autres années. On a une masterclass, on a aussi un concours. Alors qui est ouvert pour tout le monde, le photographe qui sont professionnels et pas professionnels. Pendant cette semaine, il y a de grands photographes qui sont invités pour montrer leur travail. On a une programmation culturelle, il y a des concerts, il y a plein d'autres choses à faire. La période, c'est le 7 jusqu'à le 13 juin. Alors, il y a une bus qui vient de Tunis jusqu'à Ral Mela par jour. L'exposition, les gens peuvent envoyer leur travail et il y a un comité de sélection. Et ça, c'est ouvert pour tout le monde, le photographe tunisien et les photographes qui ne sont pas de la Tunisie. Moi, j'ai travaillé pendant des années pour une ONG qui s'appelle World Press Photo. Et avec cette organisation, on a formé beaucoup de gens ici en Afrique du Nord. Et surtout, après la révolution, l'image et l'image visuelle est devenue très importante ici en Tunisie parce que les gens connaissent très bien que je sais pas comment on dit, mais l'effet d'une photo. La photo, tu peux avoir beaucoup de sentiments, tu peux montrer des choses que tu ne peux même pas montrer avec de paroles. Alors, c'est pour cela que je m'engage avec cette photo festival. Surtout parce que le photo festival avait une image un petit peu. C'était des amateurs et maintenant je veux bien qu'on va faire une autre étape et on va professionnaliser les choses.